Salut à tous, David Febvre, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, on va arrêter la petite pompe. J'espère que vous allez bien, on se retrouve bien ici en cuverie, vous le voyez. Donc je suis en train de réaliser le soutirage. Donc, je vais faire attention quand même que ça ne déborde pas. Donc je suis en train de réaliser le soutirage. Soutirage après la fermentation alcoolique. Donc pour rappel, la fermentation alcoolique, eh bien, c'est la transformation des sucres du jus de raisin en alcool, c'est tout simple. Donc cette opération est terminée sur tous les meuniers. J'ai encore un petit peu les chardonnays, donc raisins blancs, eux qui sont encore en toute fin de fermentation, donc on va attendre un petit peu. C'est tout simple, ça consiste eh bien, à séparer les parties claires, des parties un petit peu plus épaisses, donc ce qui est tombé dans le fond de la cuve, eh bien, c'est ce qu'on appelle les lies de vin, tout simplement. Donc voilà, gros travail cette semaine, puisque il y a effectivement toute la cuverie cette année est presque remplie. Donc voilà, il y a un petit peu de travail. Donc c'est pas forcément de ça que je voulais vous parler, eh bien c'est de vous dire d'aller jeter un œil eh bien, sur la chaîne YouTube de David Forge, donc la chaîne agricole. Il a publié une vidéo ce matin, justement, comme il est venu quelques jours en vendange. Son point de vue, je dirais, est assez excellent. On retrouve bien ses aptitudes, à relater tout ce qui se passe au cours de ses vidéos. Donc, il a passé 3 jours ici. Il était aux vignes, il était au pressoir, il était un petit peu à la cuverie. Donc, je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne la vidéo, il y a presque une heure. De vidéos, donc grand coup de chapeau en tout cas à David, puisque je trouve qu'il explique encore mieux que moi. Voilà, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne, et en attendant je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, salut.